Tac, nouvelle vidéo transcontinentale partie 2. Donc la dernière fois j'avais parlé de ce que j'avais fait jusqu'au checkpoint 1. Aujourd'hui donc on va aborder un peu le checkpoint 2 et un peu plus. Donc déjà ce qui s'est passé entre le checkpoint 1 et le checkpoint 2. Donc je commençais en fait vraiment à souffrir de la chaleur parce que pendant 2 jours d'affilée il a fait vraiment très chaud. Le deuxième jour je crois que particulièrement au moment où je traverse Sofia en Bulgarie. Quand je suis à Sofia je me dis de toute façon faut que je me pose un peu, faut que j'essaye de me rafraîchir, etc. Donc je trouve un parc et avec de l'eau super fraîche et je me réhydrate, je me rafraîchis, etc. Je fais un peu redescendre la température du corps. Et j'essaie de comme, vraiment garder un peu la tête froide, comme qui dirait. Et je finis par repartir de Sofia. Et enfin, avant de quitter Sofia, je me dis je m'arrête dans une station-service et je fais le plein. Je bois sucré, je mange salé, je fais un peu tout, quoi. Et parce que la prochaine ville, vraiment, je ferai vraiment un vrai ravitaillement, risque d'être assez loin. Donc là, je m'arrête et je bois, etc. Et juste après cette pause-là, à la sortie de Sofia, moi, je me sens pas bien. Là, je commence vraiment à me dire, il y a quelque chose qui va pas. J'ai du mal à appuyer sur les pédales. Je me mets sur le côté et tout de suite, je penche la tête et là, boah, je vomis, quoi. Le dernier ravitaillement, je l'ai reposé sur le trottoir, en fait. Et là, en fait, là, j'ai compris vraiment que je souffrais de la chaleur. Là, c'était vraiment horrible. Il a vraiment fallu que je réfléchisse un peu à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais faire ces prochains jours, quoi. Et là, ça a été compliqué. Et je me suis dit, bon, Stéphane, t'as pas trop le choix. Là, t'es dans le mal. Il faut que tu récupères si tu veux pouvoir aller jusqu'au bout. Sinon, tu vas te vider toute ton énergie. Et donc, j'ai pas d'autre choix, je suis obligé de ralentir le rythme. C'est assez dur parce que je commence à chaque fois que je fais une pause, je commence à voir de plus en plus de participants me dépasser. Et c'est assez dur parce que mentalement, psychologiquement, t'es venu à Transcontinental pour gagner et tu vois des mecs te doubler, etc. C'est pas ce que t'espérais, quoi. Tu dis que probablement tu pourras pas les rattraper, quoi. Parce que là, pour récupérer, ça va te prendre quelques jours. Ça va pas être en une heure ou deux. Donc là, t'as pas trop le choix. Il faut que tu décroches un peu. Et c'est ce qui arrive. Et finalement, je finis par tomber dans le classement. Je crois que je tombe dans les 30e, 40e, quelque chose comme ça. Et là, ça commençait à être difficile, quoi. Déjà, bon, physiquement, c'est dur. Mais de voir que je perdais mes objectifs, ça commençait à être compliqué. Mon objectif pour moi c'était finir top 5, quoi, quelque chose comme ça, voire même podium potentiellement, mais au moins top 10. Le top 10 c'était de rentrer dans le top 10. Bref, tu vois les gens te doubler, etc. et c'est dur. C'est quand t'es dans l'esprit de compétition, ouais. Et je me demande un peu si c'est pas un peu ce qui s'est passé un peu pour Alexandre Bourgeonnier, il y a quelques années, c'est quand il joue la gagne et qu'il voit les mecs le rattraper, etc. et finit par décrocher et par abandonner, quoi. Donc je me suis dit, bon, il faut que je m'accroche et il faut que je continue, quoi. J'arrive au checkpoint 2. Checkpoint 2 en Serbie. On va découper le checkpoint en 3 parties. Donc la première partie en gravel vraiment très roulant. Une deuxième partie donc où c'est du gravel qui grimpe. Mais ça reste assez roulant, il n'y a pas à se plaindre. Et la troisième partie, le cauchemar, quoi. Donc première partie qui se passe très rapidement, il y a un mec qui me rejoint, enfin je roule au même rythme qu'un autre mec sur cette partie qui est très roulante. Et après lorsque ça commence à grimper, je sens que le mec se sent plus frais en tout cas, et il appuie plus fort sur les pédales. Et c'est en prenant de l'altitude en fait qu'on a commencé à avoir de la flotte, enfin en tout cas moi personnellement j'ai commencé à avoir de la flotte. J'entendais la foudre qui tombait pas très loin de moi, à quelques kilomètres, et je me suis dit Stéphane, tu vas monter en altitude, potentiellement ça risque d'être dangereux. Là ça a été dur d'avoir des crevaisons. Là sur ce gravel j'ai dû faire je sais pas à peu près un peu moins d'une dizaine de crevaisons, quelque chose comme ça. La raison je la connais, hein. C'est juste que j'arrivais pas à ma pompe n'arrivait pas à monter assez haut en pression, et résultat je me retrouvais à pincer régulièrement la chambre à air sur des petits cailloux, etc. Pourtant j'essayais de faire très attention
j'essayais de faire très attention où est-ce que je roulais. Quoi. Donc plus on monte en altitude, plus il se met à flotter. Donc je répare des crevaisons sur la flotte et tout. J'espérais vraiment que la colle tienne, etc. Que j'allais pas avoir des conneries dans ce genre-là. J'ai du sable plein les mains à force de démonter les pneus, etc. Donc je me dis putain, plus je retire la chambre à air, plus je fous de la merde dans mon pneu, etc. Plus je risque de crever. Quoi. Donc je commence à être un peu en panique et ça commence à être compliqué. Je finis par sortir de cette deuxième partie de checkpoint et là je me souviens qu'en fait il y a la troisième partie, la partie cauchemardesque, qui est en fait de un terrain qui a été vendu gravel, mais gravel non, qui était de la marche à pied quoi. Pour arriver en haut en fait ça a été très dur. Il fallait vraiment pousser le vélo pendant quelques kilomètres, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Je crois que de souvenir, ça m'a pris quelque chose comme 1h30, 2h pour faire 4-5 kilomètres, quelque chose comme ça. Ça prenait vraiment beaucoup de temps et comme quoi il faut vraiment être préparé pour ce genre de difficultés. Mais là, je pense que personne n'était prêt pour ce genre de choses. Enfin, personne n'a dû monter tout en haut avec son vélo, enfin, je veux dire, avec son vélo, en étant sur son vélo. Tout le monde a poussé son vélo ou l'a porté. Et j'ai testé ce moment, ça m'a rappelé un peu le l'année dernière, le checkpoint 4 avec Björn, quand on poussait dans la caillasse là, du côté de la Bosnie là. Là, c'était à peu près la même chose, mais encore pire. Là vraiment, il n'y avait vraiment aucun moyen d'essayer de monter. T'étais obligé de pousser ton vélo dans des sillons de terre, etc. Je pense que même à pied, c'était pas un endroit très fréquenté quoi, par les randonneurs. Donc, c'était vraiment dégueulasse. C'était juste un truc à ruiner ses cales en fait. J'ai ruiné mes cales bien comme il fallait. Donc je finis par atteindre le sommet. Je me dis, il pleut toujours, il y a toujours de l'orage. Là, je suis à hauteur des nuages. Parfois, il y a une sorte de brouillard, mais en fait, je suis à hauteur des nuages. Et je finis par redescendre à la sortie de cette portion-là qui était à pied, qui est en fait à la sortie. Bon, après, on retombait sur du bitume et après, on redescendait. Il y avait une sorte d'auberge, quelque chose comme ça. C'était une auberge. Et il y avait déjà des gens qui dormaient dedans. Donc, moi, je commence à essayer de rentrer dedans, peut-être voir s'il n'y a pas moyen de prendre une chambre ou un truc comme ça. Il y avait un autre mec qui était là également et lui il cherchait le réceptionniste depuis un moment apparemment. Donc il cherche, il crie dans l'auberge, il n'y a personne. Bon, ok, je vois tous les vélos qui sont dans le sas d'entrée. Moi à ce moment-là je me dis, genre, je venais de crever en plus. On va en profiter pour réparer le temps que l'autre il trouve le réceptionniste. Et en fait, je suis tellement rincé, je suis tellement claqué d'avoir grimpé en haut, etc. Que je finis par m'endormir tout de suite après avoir réparé. Je m'endors sur le paillasson de l'auberge avec le pneu encore dans la main. Je n'avais même pas remonté le pneu, la roue sur le vélo. Et je me souviens qu'en fait, le lendemain matin, il y a un mec qui me secoue un peu fort. Tu vois, et je fais « Ouais, désolé et tout. Pas besoin de me réveiller, je vais dormir encore un peu quoi. » Et la personne continue à me secouer. Et là, bon, j'ouvre les yeux, je regarde qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, c'était le réceptionniste qui lui était réveillé. Donc je crois que le mec en fait était pas là de 22h à 6h du matin. Donc il était 6h passé. Le mec prenait son service, tu vois. Et donc le mec, il me réveille, il me secoue. Il me parle, il me fait no, go. Il me dit de pas rester quoi. Il me fait comprendre que je dois pas rester là. Enfin, effectivement, j'étais allongé dans le sas de l'hôtel. J'avais rien à faire ici quoi. Bref, je fais ok et tout, je repack mes affaires et tout, je remonte ma roue sur le vélo et finalement donc je pars quoi. Et là j'amorce la descente, etc. Et la descente qui était quand même beaucoup plus agréable, pour le dire. Mais bon, comme quoi là le checkpoint était pas très long, mais en tout cas, enfin si quand même par rapport à d'habitude il était très long. Mais en tout cas, ce checkpoint-là m'a épuisé physiquement et c'était que le deuxième checkpoint. Quoi. Non, vraiment, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Bon, bref, je finis par repartir et je me mets en direction du checkpoint 3 et je me dis, bon, Stéphane, là, la montagne pour l'instant, ça devrait être fini. Ça va être beaucoup plus plat sur les 1000, 1500 prochains kilomètres. On va pouvoir dérouler, il faut en profiter pour essayer de récupérer. Là, à ce moment-là, je me dis, bon, aussi, t'as niqué tes cales, donc il va falloir essayer de les remplacer.
Il va falloir surtout essayer donc de récupérer. Donc je me mets en route pour le checkpoint 3 et je vous raconte ça à la prochaine vidéo. À la prochaine.